au nom des sections, des comités de base, des militants, leurs fédérations respectives sont venus pour réaffirmer la direction nationale du parti et à vous-même leur confiance, leur soutien et leur fidélité. En effet, notre parti fait face depuis plusieurs mois à une véritable terreur de la part du pouvoir en place. Les preuves les plus douloureuses ont été les suivantes. L'assassinat de 51 personnes partisans de l'UFDG et de l'ANAD. L'arrestation et la détention arbitraire de certains de nos militants, ainsi que de hauts cadres de l'UFDG, de l'ANAD et du FNDC. La séquestration pendant 10 jours du président à son domicile. La fermeture manu militari sans aucune base légale de notre siège et des bureaux du président. L'interdiction de voyager, même pour des raisons médicales, du président, de sa famille et de ses collaborateurs. Monsieur le Président, la raison de ces exactions, c'est votre victoire à l'élection présidentielle du 18 octobre dernier. Une victoire considérée comme un crime de lèse-majesté, comme un affront pour avoir mis en échec toutes les manœuvres utilisées pour faire triompher le troisième mandat. Et pourtant, la vérité est têtue, comme la Terre a continué à tourner autour du Soleil, malgré le bûche promis de ceux qui l'affirment. Vous avez bel et bien remporté la présidentielle dans les urnes, avec un score prouvé de 53,84% au premier tour. C'est bien la réalité pour l'exaction. C'est bien la réalité pour l'exaction la plus meurtrière ne peut mettre en cause. Constatant la réalité de cette victoire et s'y tenir, c'est un devoir citoyen qui tient au respect des choix des Guinéens. S'y opposer en exerçant une brutalité inouïe et piétinant les droits et les libertés fondamentaux et de ceux et ce au profit d'une ambition pouvoiriste contestée. C'est méconnaître les règles les plus élémentaires de la démocratie et de l'état de droit. Dans cette situation, l'UFDG a une responsabilité historique, celle de refuser les apparences trompeuses. Le troisième mandat est une duperie. Il ne peut pas être derrière nous, comme le chante les sirènes opportunistes. Son essence, le parjure, viole à chaque instant nos consciences. C'est pourquoi, Monsieur le Président, vous avez la confiance du peuple majoritaire qui a voté pour vous. Continuez à garder vos mains fermement sur le gouvernail et maintenir le cap. La direction que vous avez choisie est celle que veut le peuple de Guinée. Se fondant sur ce qui précède, constatant la détermination rigoureuse de celui dont le fonds de commerce d'opposants historiques est fortement érodé et qui voudrait anéantir la principale force politique du pays. Rappelant que la participation de l'UFDG à l'élection présidentielle du 18 octobre est une demande de la quasi-totalité des fédérations du parti, tant à l'intérieur du pays qu'en dehors. Considérant que vous avez mené une brillante campagne républicaine avec l'apport de l'ANAD qui a conduit à votre victoire, les fédérations de l'UFDG des 5 communes de Conakry adressent leurs condoléances émues à toutes les familles victimes et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Condamne fermement les exactions infligées sans aucune base légale au parti, à l'ANAD et au FNDC. Exige la restitution de nos droits et libertés par l'arrêt de toutes les poursuites judiciaires contre nos militants et responsables et leur libération. La justice pour les 51 personnes
des forces, une personne victime des forces de l'ordre, l'ouverture de notre siège et de nos bureaux, la levée de l'interdiction de voyager de nos responsables. Apportant notre soutien à leur solidarité au président du parti et à leur direction et à la direction nationale, réaffirme leur adhésion sans équivoque aux prises de position du parti et leur volonté inébranlable de répondre avec encore plus de promptitude et de vigueur au mot d'ordre de la direction nationale. Alerte l'ensemble des partis politiques et toutes les autres forces vives de la nation attachées à la République et à ses valeurs que les violences subies par l'UFDG, l'ANAD et le FNDC participent à la violation des droits et des libertés de l'ensemble des Guinéens et à l'instauration d'une dictature dans notre pays. Monsieur le Président Sélou Dalein Yalou, vous avez l'avenir de notre parti et de notre pays. Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous, je vous remercie.